Salut tout le monde, on se retrouve sur Startup Company, le jeu où on gère notre entreprise du web. On va essayer d'exploser la concurrence. Alors on en est très loin, on a eu des licenciements, on s'est relancé et là maintenant on va se réorganiser complètement parce que là il faut qu'on crée de l'embauche parce qu'on est en manque de production de modules complètement. Donc là on a un problème et on va essayer de le louer à un autre local parce que je pense qu'on est trop petit. Voilà, c'est tout. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est pour soutenir la chaîne, je le rappelle. Les questions sur les réseaux sociaux, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et puis on démarre tout de suite, on continue et cette fois, on va monter les étapes. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on va essayer de s'agrandir, donc on a essayé de se réorganiser. Effectivement, il nous manque des bureaux, donc cette fois on va aller à 10 allées de l'océan. Vous voyez, ici c'est quand même mieux parce qu'on peut augmenter jusqu'à 80 postes de travail. Donc là, nous on était au maximum. On n'arrivait pas à s'en sortir, alors ça va être beaucoup plus cher. Alors par contre, nos charges fixes vont exploser. Par contre, vous voyez, là, on est dans des locaux beaucoup plus beaux. Alors vous voyez, j'ai déjà embauché des graphistes. Donc j'ai un pool de 5, ce qui va me permettre de faire la totalité de mes modules. Hein. Donc voilà, donc là j'ai 4 modules, j'en ai même certains que je vais pouvoir faire en double. Mais ça, ça va être bon. En fait, je vais pouvoir les faire avec... Jama, lui, va pouvoir les faire parce que lui, il est intermédiaire. Donc, il va falloir sûrement que je développe les trucs intermédiaires pour eux. Il va falloir sûrement les former un peu plus. Donc, je vous ai dit, on va optimiser. On va essayer de faire les 3 pools. Développeur, développeur senior, graphiste. On va mettre le nombre pour que chacun produise un module pour avoir capacité maximum parce que du coup, on n'arrive pas à augmenter nos fonctionnalités. Et là, il faut qu'on booste vraiment nos abonnements. Parce que on va tellement monter les charges, là, entre le local et les embauches, qu'il va falloir qu'on fasse fort. Il va peut-être même falloir embaucher, je pense, un commercial pour créer deux créneaux, voir comment on peut faire pour avoir plus d'offres de contrats. Allez, j'optimise et on se retrouve tout de suite. Alors, on est parti pour la négociation de notre contrat. Hein. Alors, on va le renégocier tout de suite. Alors, voyons voir ce qu'il nous a trouvé. Ah, voilà, le problème, c'est que là, vous voyez, nous, on n'est pas bon parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans les... Ah, quoi qu'on est à 3,3 millions de vues, c'est pas mal, on a bien augmenté. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire. 3,3 millions de vues. Faut qu'on prenne sur des contrats. Vous voyez, ça, c'est pas cher du tout. Sauf que là, on va se retrouver dans la panade. Là, il faut que je fasse qu'une journée. Hein. J'ai pas le choix puisque là, 1,80, c'est pas possible quoi. Là, on est. Ok, donc il m'a viré. Bon, ça, c'est pas grave. Mince. Un 25, c'est pas possible. Un 25, on n'est pas bon. Hein. Perdre de l'argent. Là. Allez, on va prendre un 60, mais je pense que là, on est en grosse perte. Hein. Vous voyez, on est à moins 165 000. Donc là, c'est pas bon du tout pour nous. Je vous l'avais dit, on a engagé de gros frais avec cette réorganisation là. Alors j'espère que du coup voilà, j'espère qu'on va atteindre le million rapidement pour qu'on puisse prendre le bonus. Bon, vous voyez, on n'est pas super bien. Alors l'avantage c'est qu'on doit produire un max pour pouvoir augmenter ici, vous voyez, les fonctionnalités. Ça avance bien. Ici aussi. Alors qu'est-ce qu'il m'a trouvé comme contrat lui? Pour l'instant j'en ai pas, ouais voilà, et ouais, le problème il est là, c'est que là j'ai pas de contrat. Il faut qu'il m'en trouve un. Alors un contrat à 400 000 c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Alors attendez, est-ce qu'on peut filtrer? Ah voilà, c'est ça. Offre. Alors attendez. On va étudier ça du coup.
puisqu'on n'a jamais filtré. C'est vrai que effectivement, il faut filtrer. On est à 3 425 000, donc on va mettre maximum 4 millions dans le contrat. Maximum 4 millions, voilà. Impression minimum, au moins 3 millions 4. Donc là, on va quitter et on va faire comme ça. Alors, est-ce que ça marche? Ça devrait marcher, on va voir s'il nous trouve quelque chose. Et c'est vrai que si on n'a rien dans ce créneau, eh ben on est très mal puisque on perd énormément d'argent. Mais bon. Alors en plus il déteste son idiot de chef, donc c'est moi l'idiot de chef. C'est extraordinaire, je vais le virer. Je vais le virer celui-là, dis donc. Alors on va essayer de monter à 4 millions. 5 millions 5 et impression 3 millions. Alors, on va essayer de... Voilà, donc là on en a un. Donc là c'est pas mal. Donc là on a 5 millions 3,90. Ça pourrait le faire. Donc sur 10 jours, vous voyez, on est à 4,29. Et on va pouvoir le négocier à la hausse. Et ça c'est bien. Et j'avais pas vu les filtres. C'est peut-être pour ça que je me mange depuis le début. Mais ça, c'est mon gros défaut, à ne pas lire les interfaces. Voilà, on va envoyer 5,70, on va voir. Bon, ça va pas passer. On est quand même à, mine de rien, 4,60. 4,80. Est-ce que ça passerait 5? Ah, mais écoutez, on est passé à 5. Là, je pense qu'on va se refaire, les mecs. Voilà, je vous dis. Clairement, voilà, on est à plus 424 000. Donc là, c'est bon. Sur ce contrat-là, on va se refaire. Ça, c'est cool. Donc là, on est bien, malgré les embauches qu'on ait fait. Hein. Donc là, on arrive à payer tout le monde. On va voir si on peut booster le... On doit pouvoir booster, vous voyez. On crée pas mal de modules, donc ça, c'est bien. Du coup, on est à 1 27 000, on peut monter. Donc là, c'est encore mieux. On va peut-être pouvoir aussi acheter un peu de matos pour nos serveurs. Puisque là, on va être vraiment limite. Alors, j'espère qu'il va me retrouver un contrat pour entre les deux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être débloquer quelque chose de la recherche concernant... Voilà, le développeur intermédiaire. Hein. Ça pourrait être bien. Ça va nous débloquer. Allez, on va le déverrouiller celui-là. Voilà, développeur intermédiaire. Alors, par contre, du coup, si on passe en recruteur, on n'a pas. Ah, si, on peut demander des intermédiaires. Alors, est-ce que le développeur intermédiaire peut tout faire? C'est ça le truc. Puisque là, du coup, on a un développeur intermédiaire. Donc, on devrait peut-être anticiper la chose. On va anticiper la chose. Donc, on va faire un pool ici, développeur intermédiaire. On a un peu d'argent, donc on va... Et là, on va lui demander de recruter deux développeurs intermédiaires. Développeur intermédiaire. Bon, apparemment, je suis bloqué, donc je vais partir en formation. Ça va peut-être me permettre de passer intermédiaire pour recruter des gens intermédiaires. Je pense que c'est ça la feinte. Alors, on verra bien. En tout cas, je suis très content de mon contrat, là. Celui-là, il me... Ouais, 424 000, là, c'est un beau coup, hein. Ah, vous voyez, on peut augmenter notre niveau assez... Voilà, 55. On a optimisé fortement. Alors par contre, là, il va falloir qu'on booste la salle serveur. On va pas avoir le choix. On va y aller tout de suite parce que là, 20 CU, on n'est pas très bon. Donc on va racheter un serveur web.
Pour l'instant, on tient le choc. Pourtant, on n'a pas d'administrateur système. Mais bon, comme on a fait pas mal de modules d'avance, on est bien. Allez, je suis bientôt formé. Je vais voir si je peux recruter des intermédiaires, en fait. Développeurs intermédiaires. Ça, j'aimerais bien pour en prendre deux ici, vous voyez, dans le pool, pour commencer à produire des modules. Sachant que, quand même, malgré tout, il faudrait des... Il faudrait un administrateur système, quand même. Jatube a reçu son premier ticket d'assistance. Assurez-vous d'embaucher un personnel d'aide. Temps de réponse. Ah, ok. Donc, alors ça, on peut... Je pense qu'on va pouvoir le débloquer, mais... Il me semble que c'est dans les RH. Eh bien, écoutez, je l'avais débloqué, donc ça, c'est bon. On va attendre la fin de la formation de Jama, et puis on va recruter un... quelqu'un pour le ticket, hein. Ça, c'est important, je trouve, l'assistance pour le site, je pense que c'est assez important. Alors, du coup, on va le faire recruter. Personnel d'aide, voilà. Écoutez, je pense que pour le premier, ça ira bien, hein. Allez, on va l'envoyer faire un petit négoce. 5006, quand même. Hein ? On se mouche pas du coude. On se mouche pas du coude. Ça, c'est le support. Du coup, on va vérifier ce qu'il nous faut pour améliorer celui-là. Hein. Donc, celui-là, ok, on a, il nous manque composants SMTP et des ensembles d'UI par les graphistes intermédiaires. En composants SMTP, là, on doit pouvoir les faire d'ici, je pense. Hein. Voilà, composants SMTP. Et les ensembles d'UI, on a dit que c'était les... Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je ferai pas... J'en ferai pas... Ouais, je ferai pas... Je ferai deux composants SMT. Donc, par contre, il va manquer un ensemble d'UI, je pense. Clairement, puisque là, vous voyez, on n'est pas bon. Hein. En plus, on a le petit smiley qui nous dit que les gens aiment pas du tout notre module. Composant back-end. Alors là, par contre, on risque d'être en panne de composants back-end. Ceux qui font les composants back-end, il me semble que c'est les seniors. C'est ça. C'est les seniors composants back-end. Alors peut-être qu'il va falloir qu'on... Alors, on l'avait vu, hein, juste, hein. Maintenant, on pourrait peut-être recruter... écoutez, là, combien on est en finance? On est moins 348 000. Comment ça se fait qu'on est moins 348 000? Qu'est-ce qu'on a foutu? Ah ben, on a plus de contrat, tout simplement. c'est pas le problème. Alors, on va négocier notre contrat, donc on va regarder. Alors, 340, 4 900 000. Ça, combien on est de vue, nous? 3,5 millions. Donc nous, il faudrait plutôt qu'on prenne celui-là, hein, 3,3 millions. 3,30, ça on est sûr de le faire, on va le faire plein pot, voilà, on est sûr de le... Allez, on va l'enquiller pour 10 jours. On est à 3,63. Alors, si on arrivait à taper le 4, ça serait pas mal. Voilà, 3,90, je pense qu'on va y arriver. Hein. Voilà, 4,20, très bien. Et là, clairement, voilà, on revient à 67 000. Ça, c'est pas mal. Ah! Bah, écoutez, on a résolu deux tickets d'assistance. Ça nous a coûté... ça nous a rapporté 100 000. Bah, ça, c'est cool. Hein. Alors, les tickets, comment on voit en attente de tickets? Formation, statistiques... ouais, on sait pas trop. On sait pas trop. ...40 000 de revenus journaliers. Ouais, mais ça, on va y arriver, hein. Je suis pas inquiet. Là où je suis inquiet, c'est que la fonctionnalité vidéo, on n'est pas bon du tout. Vous voyez, on n'arrive pas à... Pourtant, normalement, élément d'UI, on doit en faire, hein. Ah, mais attendez, lui, il est en débauchage. Faut que je le remette en graphiste. En plus, c'est lui qui me fait les éléments d'UI, là. Ah là 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 là!
Alors, est-ce qu'on peut les former Parce que peut-être qu'en intermédiaire, ils nous... Je vais en former deux. Pour la recherche. Parce que mine de rien, en les passant à intermédiaire, je présume qu'ils doivent rapporter plus de points journaliers. Ce qui peut être pas mal. Allez, on est bientôt à 500, donc on va pouvoir débloquer notre module d'email. Et on va pouvoir le faire. On va essayer de maintenir la masse salariale comme ça. Bon, on va pas booster. Alors, on en est où en termes de... Bon, on a passé le cap du million. Donc ça, c'est bien. Alors, par contre, marketing, on en est où? On sait plus du tout. Alors, pub textuelle, qu'est-ce qu'on a? Bannière publicitaire. Eh bien, écoutez, ça, on pourrait le faire aussi. Hein. Portée. Taux de conversion 19. Ah, ça peut être pas mal. Hein. Allez, on va faire ça. Allez, on les a, les 500. Donc, cette fois, le module d'email, on va pouvoir le... On va pouvoir le débloquer. C'était dans les... dans la production. Voilà, c'était là. Et là, on a notre module d'email. Voilà. Donc, du coup, là, on va pouvoir... Voilà. Qui me fait mes modules d'email? Ouais, c'est compliqué à gérer la production, mais je trouve que c'est ce qui est intéressant. Je trouve ça pas mal, parce que du coup, on est toujours en train de jongler. Je trouve la mécanique vraiment sympa. Alors, on va passer en deux en intermédiaire, hein, je pense. Parce que là, ils ont dû finir leur formation, donc on va l'améliorer. Voilà. Et le deuxième aussi. Voilà. Donc là... Ça devrait aller beaucoup plus vite en termes de recherche. Allez, puis on repart pour une négociation de contrat. Alors déjà, est-ce qu'il faut qu'on change le filtre? Parce que là, du coup, on est à... Non, on est toujours à 3,7 millions. Donc là, on est impeccable sur les contrats. 3,7 millions. Donc là, il faudrait qu'on soit sur celui de 4,3,10. Oui, on va prendre celui-là 4,6 millions. Donc nous, on va produire 3,7 millions, on a dit. Voilà. Sur 10 jours. Ah, vous voyez, on est à 2,73. Ce qui est pas énorme pour nous. Nous, on tient le choc si on est plutôt sur du... Voilà, je vous rappelle que la dernière fois, on l'a eu à 4 hein, quand même. Hein. 3,40, 3,70, est-ce que ça passerait? Voilà, 3,70, ça passe, mais est-ce que ça passe à la finance? Vous voyez, c'est 3,70, on est limite, hein. On fait à peine 52 000, on couvre à peine nos frais, mais bon, pour l'instant, on nous demande que ça, donc c'est pas mal. Eh bien écoutez, on se retrouve à la fin de cette réorganisation, donc ça se passe plutôt mal, plutôt bien on va dire, puisqu'on est positif, on arrive à avoir des contrats, voilà, on a quand même beaucoup embauché, donc... je suis bien content parce que franchement au tout début on a été obligé de licencier, c'était un peu dur, c'était un peu sévère. Donc je pense qu'on arrive, vous voyez par contre sur les serveurs ça va être compliqué. Satisfaction de l'assistance, pour l'instant on est bien. Les serveurs on est à 100%, là c'est pas, voilà, je pense qu'on est un peu limite. Il va falloir qu'on booste un peu le matos, mais c'est pas grave, écoutez on va se retrouver sûrement au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche de notification pour avoir les nouveautés, les réseaux sociaux pour vos questions, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde et merci encore.